Salut la famille, comment nous y est? Moi espère que nous bien grâce à concours Seigneur Jésus. Si vous m'avez comment m'y est, m'a dit au moins très bien parce que bon Dieu a voué yeux sous nous. M'a déjà dit bienvenue dans le programme Paola qui c'est Actividad, Action et Vie, selon Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 4, qui est aussi l'espace de l'enseignement. Je dis à Jean te promettre, moi viens parler de la mort maître Hiram qui c'était un Syrien que roi Hiram premier aussi Syrien t'ai voyé pour construire temple Seigneur à temple de Jérusalem au 10e siècle avant notre ère. La mort maître Hiram selon la légende était causée par trois mauvais compagnons. Donc je dis à moi pour parler de qui est monsieur Sayo, mais ces trois mauvais compagnons Sayo, c'est une sorte de métaphore que les francs-maçons utilisaient pour montrer que nous avons un vice dans la vie, nous. Nous avons un vice qui existait et nous entouré nous, autour de nous. Et j'ai des leçons à vous, ma fille, vous venez ouvrir les yeux pour nous comprendre plus de choses. Mon formation, les alchimistes, les métaphysiciens, ils utilisaient des métaphores. Tant comme d'adou, ils utilisaient des anagrammes, des codes, puis ils fait passer un message. Même Jean Bible à tout, il y a un pile message qui passait qui est un petit peu caché. Que en pile fois nous pas comprendre yo si ou pas grandir spirituellement et trois compagnons sa yo si ou pas retirer dans la vie ou y a pas péché ou grandir spirituellement quelle que soit préférence spirituelle ou quelle que soit religion taillé depuis ou gen trois compagnons sa dans la vie ou pas grandir. Donc formation yore le compagnon nous même les chrétiens après les des vices des défauts comprendre et si nous pas retirer yo n'a pas gen problème nous pas ka grandir spirituellement. Étude ça y aurait des en pile, pas oublier ça. Mais j'en m'a faire étudier, m'a aider en pile monde, comme ça m'a demandé nous tout pas oublier abonner à chaîne là pour nous aider chaîne à grandir plus. Vision c'est pour me te faire arriver 10,000 abonnés enfin année finie donc de abandonner chaîne là malheureusement pas arriver. Mais si nous tout à cliquer sur écriture en rouge, à cliquer sur cloche notification, nous cliquer sur tout, chaque vidéo me fait chaque nouvelle vidéo, la privée la carte tout droit et au pas regret vidéo yo. M'a regarder vidéo ça jusqu'à la fin, ou découvrir un pile secret. Parler de anagramme, ou connait ça qu'anagramme si ou pas connait. Métaphore en plus ou pas connait ou connait. Yo parler avec point avec un paquet de bagaille. C'est secret yo, mais au fur et à mesure que vous suivez vidéo, vous faites par rubrique, par numéro, vous venez comprendre plus. Vidéo ça c'est numéro 3. Vous comprenez plus de choses toujours que bon Dieu avec vous. Pas oublier, pas rater vidéo. Et sans trop parler en pile, on entre dans la vidéo. Dans la vidéo précédente, là, ou bien dans numéro 2, peut-être numéro 1, nous avons parlé de rite écossais ancien et accepté, ou bien REAA. Et il y a un moyen pour franc-maçon élevé au 3e degré, faut qu'il entre dans le sacré la légende d'Hiram. C'est ça que je vais parler un petit peu jeudi. Bon, c'est Hiram qui est en charge pour te construire le premier temple de Jérusalem, ou bien la maison des dieux, que maçon le Jorélé, le temple de Gadlu. Si vous n'êtes pas au courant de non ça, ça que les gars de lui, moi invite ou, mais moi recommande pour regarder vidéo ça ouais qui paraît en l'air. Mais Hiram était assassiné par trois monde qui ont les trois mauvais compagnons, qui te gen folie rive dans grade maître sans l'air pour te arriver. M'a dit tout bagaille fait dans temps yo, pas rien fait qui fait en ventan. Si vous gonbaille cap pousse faire en bagaille en ventan, retire le haut parce que il est pas bon. C'est un défaut, c'est un vice que maçon le jouer les mauvais compagnons. Nous pas parler de trois mauvais compagnons ça yo. Hiram te recevoir premier coup à la porte du midi ou bien à la porte du sud. Il recevoir quoi sous épaule droite li par le mauvais compagnon. Comme ça les prend symboliser l'ignorance. Et l'outil que mauvais compagnon a utilisé pour te bailler mettre Hiram quoi, c'était un fil à plomb. Symboliquement, fil à plomb signifie la connaissance de soi ou bien la maîtrise de soi. Parce que c'est avec force pour kembil ou pas kembil outil ça sans force. Donc c'est la maîtrise de soi ou bien la connaissance de soi. La connaissance de soi comme tout le monde connaît ou bien pile dans nous connaît, c'est là où on apprend connait tête ou et on apprend kembil tête. Sans pas oublier que ignorance c'est racine un paquet mal. C'est à cause de l'ignorance que vieux compagnons ont été frappés mettre Hiram. S'il pas de ignorance ou bien s'il pas ignorant, il pas ta frappé mettre Hiram. Question m'a posé kounia en tant que chrétien. Est-ce qu'elle pas ta bon pour chercher qu'on est-ce qu'elle pas ta bon pour chercher qu'on la parole plus pour paraître dans l'ignorance. C'est raison ça qui fait faire étude ça yo parce que les lèvres pour nous l'ouvrir plus sous ça que les doigts l'ouvrir.
s'il pas qu'à l'ouvrir son bagage, il est pas pourvu. Parce que tout bagage caché, yo, yo réservé pour bon Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Hiram te recevoir deuxième coup à la porte de l'Occident ou bien à la porte de l'Ouest. Il recevoir coup ça sous épaule gauche li, par le mauvais compagnon qui symbolisait le fanatisme. Zouti li utilisé à c'est un niveau l'teye. Enfin, Hiram recevoir troisième coup à la porte de l'Orient ou bien à la porte de l'Est. Il recevoir quoi dans foul par le mauvais compagnon qui symbolisait l'ambition. Zouti li utilisé à c'est un marteau ou bien le maillet. Li frappe dans foul et puis met Hiram tombé, li mouri. En bref, pour franc-maçon yo, trois mauvais compagnons ça yo, c'est ignorance, fanatisme et ambition. C'est une série de vices qui dans la vie chaque monde. Mais ça qui est important, c'est combattre pour nous voir comment nous ca éliminer dans la vie nous. L'ignorance c'est le contraire de connaissance, contraire de sagesse. Depuis un monde ignorant connaît les pas gain connaissance. En fait, ignorance c'est racine de l'autre vicio, fanatique avec ambition. Si vous pas gain connaissance, vous avez toujours gain deux bagages ça yo. Si vous pas gain connaissance, vous avez un monde qui fanatique et vous avez un monde qui ambitieux. Le fanatisme c'est un attachement passionné pour une idée ou pour une cause. Ça vient de un comportement violent. Par exemple, il y a des gens qui sont fanatiques Brésil. Les gens qui sont fanatiques Brésil, Brésil t'a perdu, moun sa kontiye pour Brésil, li kontiye pour équipe. De même pour Argentine. Avec tout ça moun nan fanatique li attaché avec. Depuis fanatique yon bagay, automatiquement li attaché à bagay ça. Li ka gen un comportement violent par rapport avec bagay ça. Ambition, c'est le yon moun à la recherche de domination ak honneur. Moun an bat pou toujours ap dominer. Ça c'est ambition gen. Li toujours gen l'honneur. Moun ki ambitieux, toujours pense le supérieur ak l'autre moun. Mais, m'ap di ou c'est parce que moun an a ignorance li, ki fait li penser comme ça. Vous voulez me dire ou? En tant que chrétien, trois compagnons sa yon an vie en pile nan nou. Et c'est pas en tant que maçon loge. M'ap parle de trois compagnons directement pour les chrétiens, mais m'ap parle vice sa yon, c'est vice yon, c'est défaut yon pas vertu. Défaut c'est contraire lié avec vertu. Parce que c'est chrétien nous y est. Mais si nous gagnons bagay négatif qui semble à une série de l'autre qui permet nous pas qu'à grandir spirituellement, nous supposé retirer dans nous. Mauvais bagay ça yo vinn incarner dans nous et yo cause nous victime, yo cause nous souffrir, yo cause nous peur, yo cause nous gain la haine. Toi vie ça yo prospérer sous nous. Parce que nous pas gain connaissance avec maîtrise sous propre tête nous. Nous pas souvent tendre les nous rivé. Nous toujours voulons pour tout bagaille fait bien rapide. Donc l'on pas qu'à contrôler tête tout, c'est une autre entité qui a contrôlé le pour. Dans franc-maçonnerie, il a cherché éliminer gens de vice ça yo ou bien gens de compagnon ça yo pour yo ka vivre plus bien entre frères, pour yo ka vivre dans la fraternité. Qui ka nous même chrétiens ka vivre une manger l'autre. Yon rayi lot pou bagay ki pa gen sens, pou bagay ka pase ki pa brete. Yo di mauvais compagnon yo te nan illusion ke yap viv marginé, c'est-à-dire yap viv hors de société ya. Yo aveuglé par l'orgueil et puis c'est seulement intérêt pa yo wè. Yo pa gen conscience de propre zak yo. Yo pa accordé ak l'autre frère accès aucun place. Avle di moun ki ambitieux, tout place yo c'est li ki vle pran. Li ta remet tout bagay pou li. An dan l'église gen pile moun ki kon sa. Li ta remet pou le faire tout bagay malgré pa ka faire rien. De pou faire un bagay li pa ka faire, li di ou baril. An pile leader kon sa, an pile membre kon sa, an pile l'autre moun kon sa. Mais essayez ba le faire pou et puis observer. Trois compagnons vin décentrer parce que yo pensé à vivre hors de société ya. Ça fait nous songer péché Adam et Ève, yo te déconnecté avec bon Dieu après yo te fin péché. Parce que trois compagnons ça ou bien trois vices ça depuis dans la vie au monde carrément ou pas propre ou sale. Yo un péché entrer dans la lumière de Dieu, yo un péché lumière entrer dans ou tout. Rappelons que trois compagnons ça yo qui dans nous yo dangereux. Yo invisible et puis yo insaisissable. Quand ça veut dire, yo caché dans fond cœur nous et puis yo fait nous penser que n'a vive dans bonne condition. Yo fait nous penser que n'a vive en harmonie mais qui sont mensonges.
Ignorant par contre grosse ignorance li. Si là qui fanatique la même pensait li bien agir, fait preuve de zèle et li employer contrainte pour une cause que li pensait qui juste ou bien correcte. Erreur. Enfin, ambitieux même qui était tête li parti selon instinct. La pas agi par instinct. Comment ka accorder place à l'autre monde d'après vous? Enfin, trois compagnons représentaient bel et bien les ténèbres. Et des pourtant des ténèbres, c'est parce que par gain lumière. Ténèbres, c'est absence de lumière que y a. Absence de conscience, absence de Jésus. Ennemi a le caché dans le fait noir. Comment on va faire combattre lui? Là, c'est une belle question à me poser. Moi pas fini de tout bagaille non, moi obligé faire un petit réserve parce que quand on a des bagailles, m'a pas dire là un seul coup. M'a dit tical vertical et faut grandir avec étude là, faut suivre pour qu'a puisse comprendre parce que m'a pas la tout gros bagaille dans mon seul coup. J'aime dire dit m'a parlé de symboles, m'a parlé d'un paquet de bagailles qui concernait les sciences occultes. M'a dit ça qui dévoilé. Bon, en conclusion, mes conseils m'a bon en tant que chrétien. Étude ça pas trop longue, pas faire trop long. Ou pas qu'a grandir spirituellement sur proche. Ou pas qu'a grandi spirituellement si ou pas choisi faire une belle plongée dans ou même pour qu'a retirer bagaille qui empêche ou grandi ou bien élever spirituellement. En réalité, si ou prend pause ou pas qu'on fait péché ou pas qu'on fait ça qui mal, si ou prend pause ou son monde qui toujours haut ou fait erreur. Ou ap descend et y ap descend nous. C'est là qui pire ou passer toute bagaille ou l'ap descend nous. Ou supposé prendre conscience de tête pour apprendre. Ou doit considérer que ou c'est un monde qui ignorant. Sinon, ou n'a menti à propre tête ou. Il y a un grand philosophe qui est le Socrate, bien qui était le Socrate, mais ça le dit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Prends ça comme un principe. Autre opinion en fond descend nous pose. Dans franc-maçonnerie, pour compagnon élevé en grade maître, il doit reconnaître que les c'est un ignorant, un fanatique et un ambitieux. Visayo c'est tout le monde qui gagne la caillou mais ou de reconnaître yo ou de combattre yo comprendre gisa le prise de conscience li c'est une clé que la caillou franc-maçon yo a veut dire toujours battre pour prendre conscience des états yo et nous même chrétiens a dit me font parallèle entre tout ça yo entre monde ça yo et nous même les chrétiens comprendre si monde qui dans diable des fois maçon joue monde qui dans diable des si monde qui dans diable a prendre conscience de tête yo même qui caillou bon dieu qui propre ou doit prendre conscience de tête tout. Au contraire, plus que moun sa yo même. Comprendre? Nous devons connaître que l'ignorance c'est un bagage naturel lié. L'homme naturel li possède l'ignorance, mais l'homme spirituel li pas con ignorance. Parce que c'est l'esprit bon Dieu qui a baou et faut connecter avec l'esprit de Dieu qui connaît tout bagage. Mais depuis c'est l'homme naturel ignorant. Personne pas ka konn tout bagage ni comprendre tout bagage. Ça va konn fait. Capacité nou yo limitée. Nous chargez facteurs que nous pas qu'à maîtriser, que nous pouvons maîtriser. On garde dit ça. Nous pouvons maîtriser. Mais lorsqu'il veut maîtriser, on va commencer propre. Ça cause nous faire un pile erreur. Mais les nous réaliser tout bagage ça, ça permet comportement nous évoluer. Ça permet nous grandir spirituellement. Les concerts nous viennent plus humble, plus compréhensif envers nous-mêmes et puis envers l'autre monde tout. Comprendre? Dans cas ça nous doit reconnaître des défauts nous. Vivre avec eux jusqu'à ce que nous finissions avec eux. Ciao.